répondez à la question pour nous. Merci, président. Est-ce qu'on a l'autre nationalité, M. Sildo? Merci, président. Je déclare solennellement devant le président du Sénat et les membres du bureau, devant l'Assemblée des sénateurs et la nation haïtienne, que je n'ai jamais eu aucune autre nationalité. Je ne détiens aucune autre nationalité que celle de la nationalité haïtienne. Sur ce rapport, la commission, le rapport doit être mis au vote. Et je demande à la commission de compléter le rapport en ajoutant cette réponse. Président. Au niveau du rapport, il y a une rectification à faire concernant le 214e, selon le vice-président, qui va ajouter quelque chose avant de passer au vote. Oui, alors, Monsieur le Président, il y a une petite ambiguïté en ce qui a trait à 213e et 214e. Ordinairement, c'est sacramentel. On commence à compter à partir de 1803. Non, c'est sacramentel. C'est ça. Donc c'est en 214e de l'indépendance. C'est ça, c'est ça. Pour l'histoire. En 214e. Ah. Bon, écoutez, ce n'est sénateur c'est Dumont. Sénateur ce Dumont. N'est 104, c'est l'an 1. C'est une. Écoutez, ceci n'est qu'une remarque du vice-président et on va demander au secrétariat général de faire les recherches et de trouver la date appropriée. Maintenant, concernant le rapport, on va passer au vote. Le rapport. Ceux qui sont pour le rapport tel que rédigé et ajouté de la question, de la réponse, ceux qui sont pour, levez la main. Baissez la main, s'il vous plaît. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent. Deux abstentions, 23 pour. On reprend les résultats du vote. Premier secrétaire. 23 pour, 2 abstentions. 23 pour, 2 abstentions. Les sénateurs les sénateurs sont autorisés à prêter serment, le serment constitutionnel. Félicitations, chers collègues. Et maintenant, le secrétaire général va procéder à l'appel afin de gravir la tribune et de prêter le serment. Mais aujourd'hui, une fois que vous auriez prêté serment, vous allez prendre siège parmi les pères conscrits. Félicitations, secrétaire général. Nous appelons le sénateur Jean-Marie Ralph Fétière du département du Nord. Mettez-vous, chers collègues. Salut là, le sud. Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple haïtien et d'être fidèle à la Constitution. Monsieur, pas pour ça. Fais-moi les gouffres, pas qu'il y ait.
Sénateur Fétière, vous recevez vos documents, la Constitution, le Parlement et nos règlements et toutes les félicitations de l'Assemblée. Sénateur Pierre-François Sildor. Le sénateur Pierre-François Sildor est invité à gravir la tribune afin de prêter le serment constitutionnel. Votre attention, s'il vous plaît. Une minute. Votre attention, s'il vous plaît. Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple haïtien et d'être fidèle à la Constitution. Recevez la Constitution, les règlements, votre chapeau et toutes les félicitations de l'Assemblée, sénateur Pierre-François Sildor. Toutes nos félicitations, sénateur. Premier secrétaire. Foucan ou libé. Foucan gratté. Il est. Les sénateurs peuvent prendre siège au sein de l'Assemblée. Ils sont habilités à prendre siège au sein de l'Assemblée. Et aujourd'hui, nous avons 28 sénateurs. L'Assemblée est composée de 28 sénateurs. Maintenant, il est 7h45. Nous allons lever la séance. Cette séance sera mise en continuité pour jeudi. Demain, à 11h, tous les sénateurs sont priés d'être présents pour recevoir les 5 membres du Conseil de la Banque centrale. Comme prévu, chaque mercredi, il y aura les questions posées aux gouvernement. Les questions seront posées aux responsables de la Banque centrale concernant la monnaie nationale.
Les sénateurs sont priés d'être présents à 11h. Et jeudi, nous allons continuer avec l'ordre du jour tel qu'indiqué aujourd'hui. Oui. Les sénateurs... Non, c'est samedi. Samedi. C'est vendredi, on a dit. Très bien. On va prendre les informations. Oui. Non, jeudi, hein, jeudi. Les sénateurs sont priés d'être présents demain à 11h. Le conseil de la banque sera présent à 11h. Et les questions vont être posées directement aux 5 membres. Sur ce, la séance est levée.